Bonsoir, docteur. Bonsoir. Il a perdu beaucoup de sang? Pas mal, oui. Donc on transporte immédiatement à la salle d'opération. Oui, docteur. Venez, messieurs, c'est par ici. Prévenez chez moi qu'on ne m'attende pas. Très bien. J'ai bien peur que le cœur ne tienne pas. Heureusement, il a une sacrée santé. S'il ne nous fait pas l'infection d'ici 3 jours, le pronostic sera favorable. Vous ne pouvez pas refuser d'intervenir, mais évite de te vanter d'avoir sauvé la vie de ce monsieur. Comme tu as pu le constater, Franck Canello n'a pas des amis. Si vous voulez que je fasse, que je l'envoie chez le rebouteux. Je vous ai préparé du café. Merci, Arlette. Ah, votre fiancé est passé tout à l'heure. Vous veniez d'entrer en salle d'opération. J'ai demandé qu'on la prévienne. Il paraît que vous aviez un dîner. Elle était furieuse. Ah oui, c'est vrai, chez les Moreau Girard. Eh ben, c'est une belle corvée à laquelle j'ai échappé. Lydia est très mondaine. Fille de famille, nièce de ministre, ça se concilie mal avec les impératifs de la profession. Elle le savait quand elle m'a rencontré. Bah, il semble qu'elle ait du mal à s'y faire. Vous devez toujours vous marier le mois prochain. Oui, je suis sûr que ça la rendra plus compréhensible. Ah, bah, tu t'en es sûr. Bon, moi je vais me coucher, je suis crevé. Bonne nuit. Quand je pense qu'ils ont invité le professeur Morange exprès pour te rencontrer et qu'il fait la pluie et le beau temps au ministère de la Santé publique. Et Dieu sait s'il est pris, Morange, lui. Plus par les mondanités que par ses malades. Tu devrais te coucher, ma chérie. Je te remercie, j'ai pas sommeil. Dans l'état de nerfs où je suis, je vois pas comment je pourrais dormir. Ça, c'est parce que tu fumes trop. 3 somnifères. Je fume trop. Quand on a passé 2 heures chez son coiffeur, quand on s'est habillé, maquillé, et qu'on a attendu toute seule, devant sa télévision, toute la soirée. Et tu crois que j'ai besoin de tabac pour m'énerver? Ma chérie, lorsqu'on veut épouser un marin, on peut pas lui reprocher de naviguer. Tu vas pas me faire croire que tu ne peux opérer que la nuit et que tu n'as que des urgences. Mes malades doivent le faire exprès pour te faire enrager. Bon, j'ai compris. On ne sera plus jamais invité nulle part. Mais si tu veux être un grand patron, et Dieu sait si tu le mérites, eh bien il ne faut pas négliger tes relations mondaines. En réalité, tu sais ce que tu es. Un ours. Oh, ça c'est bien vrai, ma chérie. Gros nounours à toi toute seule. Tu es désespérant, mon chéri, désespérant. Et tout ça pour un truand. J'espère au moins que t'as prévenu la police. Tu sais ce que tu risques. Je ne tiens pas à ce que tu ailles en prison et je ne veux pas me retrouver toute seule. Hein, chéri? Chéri? Chéri, tu vas pas dormir? Chéri! J'en ai marre de ce type-là. Dis donc, Franck, on dirait que l'appétit revient, ça fait plaisir, hein? C'est un as, ce Touloub. Sans lui, j'y passais, tout le personnel me l'a confirmé. Il n'y avait rien que le prix de l'opération. Je ne serais pas payé cher ce que je lui dois, hein? On s'est renseigné, Franck, il manque de rien. Côté bagnole, côté appartement, côté nana, il y a beau chercher. On va trouver. Parce que je partirai pas d'ici comme un égoïste et un malpropre. Ah, justement, Franck, il ne faudrait peut-être pas tarder à se tirer d'ici. Les hommes du Nantais savent que tu es là. Et si vous les remettez ça? Bonjour. Bonjour, docteur. Ah, bon, la nuit de collégien, hein? On va voir ça d'un peu plus près. Oh oui, la cicatrisation est très avancée, c'est bien ça. Je vais pouvoir partir? Partir, alors. C'est encore trop tôt, un peu de patience. Non, il y a urgence, docteur. Ou votre établissement va être transformé en chantier. Bon. Mais je voudrais pas que vous accoupiez d'une balle perdue, ce serait une drôle de façon de vous remercier. J'ai déjà dit que vous n'aviez pas à me remercier. Mais moi, j'y tiens, docteur. J'y tiens beaucoup. Le docteur est là, mademoiselle, je vous prie. Chambre 402, monsieur Canello. Il paraît que ça va beaucoup mieux. Oui, oui, beaucoup mieux. Je peux entrer, alors? Oui. Oui, entrez. Je peux te dire un mot, mon chéri? Oh, oui, bien sûr, ma fiancée. Mademoiselle. Tu vas m'attendre dans mon bureau, je te rejoins tout de suite. Hein? Écoute, Didier, ton dossier est incomplet. Tu as une fois de plus oublié de fournir l'extrait de naissance. Si tu passes pas avant 6 heures à la mairie, la publication du mariage est reculée d'un mois, les bancs avec. Et tu sais bien que j'ai prévenu toute la famille. Si nous rechangeons la date, notre repas de noces, nous le ferons en tête à tête. Mais ce serait charmant, ma chérie. Écoute, Didier, si tu le fais exprès, faut le dire. Je te répète qu'il faut passer maintenant à la mairie. Maintenant. Eh ben, mieux vaudrait peut-être parler de ça ailleurs. Pourquoi? Mais nous ne sommes pas dans la chambre d'un moribond, ici. Il m'a l'air frais et rose, celui-là. Grâce à toi, elle va pouvoir reprendre ses agressions, ses petits meurtres, ses hold-up et toutes ses petites activités innocentes. Comme bienfaiteur de l'humanité, tu te poses là. Attends, ça suffit. Allez, viens. Non.
Ah, moi, ça va, oui. Il va pas épouser ça, non? J'en ai peur. Bah, y a de quoi, hein? Dites-moi, il a jamais eu envie de la quitter, non? Le docteur est trop bon, trop patient, trop humain. Au début, elle était supportable. Elle avait bien caché son jeu. Mais maintenant, elle est à tuer. Sa véritable nature se révèle. Elle a été élevée dans le luxe, habituée à ce qu'on lui passe tous ses caprices, entourée de domestiques. Ça rêve de grandeur sans jamais avoir travaillé, et ça ne sait que donner des ordres. Ah, pauvre docteur. Il s'est engagé, il n'osera jamais la plaquer. Même s'il en a envie. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie? Ma main a coupé. Mais, à moins qu'elle ne passe sous un autobus, il est trop tard. C'est pas sûr. Pas l'air tellement gardé. À moi tout seul, je le finis. On le finira ailleurs, ici c'est trop risqué. Ce qu'il faut, c'est savoir où il va se planquer pour sa convalescence et connaître ses projets. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Allez, vas-y. Tu risques rien, il y a tout le temps des changements de personnel là-dedans. Mets le magnéto en douce sous le plumard. Chaque fois qu'il reçoit une visite, tu fais un passage discret dans la chambre et tu branches la mécanique. Compris? Compris. Dès qu'il aura filé, on récupère l'engin et on écoute. Canelo est parti. Quoi? Oui, il a réussi à sortir. On l'a aperçu au moment où il montait en voiture avec ses gardes du corps. Il a laissé ça pour vous. Pardon de partir sans vous dire au revoir, mais d'après mes renseignements, ça vaut mieux. Je ne vous ai pas oublié, vous verrez. C'est une surprise. Ciao, Toubib. Il a aussi laissé un chèque. Merci. S'il fait des complications, tant pis pour lui, je l'aurais prévenu. Et on a trouvé ça sous le lit. Hein? Voilà. Bon, ça va, merci. Bon. Au fait, n'oubliez pas que vous devez accompagner votre fiancée à la gare tout à l'heure. Ah oui. Oh. Comme d'habitude, par la Suisse, avec un relais de voiture avant la frontière. Elle disparaissait, j'attends quelqu'un. Je connais tes références, Palmieri. J'ai un contrat pour toi. Un service que je rends à un ami docteur. La cliente, c'est une femme dont il faut absolument le débarrasser dans son intérêt. Ce soir, gare de Lyon, le train bleu. Lydia Valentin, voiture 7, single 32, proprement et sans bavure. J'aimerais que ça ait l'air d'un accident. Voiture 7, single 32, proprement et sans bavure. Allô, vite! Vite, passez-moi à l'appartement! Oh mon Dieu, il est fou ce type, j'ai rien demandé, moi, qu'est-ce qu'il lui a pris? L'adresse de Canelo, vite. Mais on ne l'a pas. Et comment on ne l'a pas? Oh, bah de toute façon, il a dû aller se tairer, Dieu sait où, alors. Mais il faut absolument que je lui parle. Allô? Comment ça ne répond pas chez moi? Mais vous êtes sûr? Vous avez laissé sonner? Bravo, c'est un moulin, ici. Vous laissez filer les malades sans même essayer de les retenir. Oh. Vous êtes trop conne. Oh, oh, docteur. Pourquoi est-elle partie si tôt?
Oh, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi, je suis pas heureuse parce que je ne pars plus. Ah non. Oh, ça non. Enfin, pas ce soir, c'est ce que je veux dire. Ah non, surtout pas ce soir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air bien agitée. Oh, ma chérie, ma chérie. J'ai eu si peur de t'avoir raté, oh, ma Lydia. Ah non, non, je t'assure, Didier, c'est pas le moment. Alors, tu m'avais pas attendu? Mais non, j'aurais été capable de rater le train à cause de toi. Je suis passée chez Lacordaire chercher mes trois nouvelles robes, ils me les avaient promises ce soir. Aucune d'elles n'était prête. Oh, cher Lacordaire. Dis donc, Didier. Oh, pardon, c'est désolant, oui. Ça fait trois fois qu'il me fait le coup. Trois fois! Tu te rends compte? Et je peux quand même pas aller chez les Moreau Girard avec les ensembles qu'ils m'ont vus l'année dernière. Puis tu sais bien que je suis invitée chez les cousins, au château. Alors? Oui, évidemment, non, ça c'est... Ça, Lacordaire, c'est bien fini, il va me le payer. Je mettrai jamais plus les pieds dans sa boutique. T'as bien raison, ma chérie. Puis j'avais oublié de te dire. Il voulait pas me rembourser mon billet à l'agence. Non. Mais si! Heureusement, j'ai trouvé une femme qui voulait absolument partir ce soir. Tu penses, elle a sauté sur l'occasion, alors je lui ai donné ma place. Fais attention! Comment? Tu veux dire qu'on lui a donné ta réservation? Le single 32 dans la voiture 7? Ben oui, ma place, quoi. Ma place! Bon. Je vais me changer, chérie. Je me donne un coup de peine. Tu me sers un verre, s'il te plaît, hein? Nom de Dieu. Nom de Dieu. Oh! Une urgence, excuse-moi! Chérie? Oh non. C'était limite, hein? Le train est complet, j'espère que vous avez loué. Vous avez votre billet? Voiture 7, single 32. C'est la quatrième voiture en montant vers la tête. Merci. Pardon, madame. Pourrais-je avoir une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît? Tout de suite, madame, tout de suite. Merci. Pardon. Entrez! C'est à quel sujet? Voilà, madame. Vous ne me connaissez pas, mais il faut absolument que je vous parle. Vraiment? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Ne vous fatiguez pas, je connais. Ah non, 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 mais vous vous méprenez. Tout ce qui peut s'inventer pour faire connaissance, on me l'a déjà fait. Madame, il s'agit de vie ou de mort. Oh, ça, c'est particulièrement usé. Soyez gentil et allez jouer ailleurs. Voilà, bonjour, madame. Merci, et débarrassez-moi de ce type. Allez, monsieur, venez. Mais madame... Non, n'insistez pas. Allez, monsieur, regagnez votre compartiment. Non, non. Bon, bah alors, donnez-moi votre billet. J'en ai pas. Bah, vos bagages sont bien quelque part. Non, non, j'en ai pas. Je vois ce que c'est. On suit une dame et hop, on monte. Dites donc, vous êtes un gagneur, vous? Non, remarquez, je vous comprends, mais ça résout pas notre problème. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur n'a pas de billet. Donnez-moi, ça fait combien? Combien ça? Avec l'amende, ça va vous faire. Ah bon, passons sur l'amende. Bon, je vous remercie. Marquez, je devrais vous faire descendre à Dijon. Hein. Pourquoi ça? Parce que ce train ne fonctionne que sur location, qu'il est complet et que vous n'avez pas de place. Bah, si vous voulez que je fasse à Dijon à 1h du matin. La petite dame va à Nice. Ah bon. Tenez, ça fait 497 francs. Merci, je vous fais un chèque. Hein. Oui, oui, oui. Ah, vous avez de la chance. Tenez, j'ai justement un single. Ça veut 13 voitures 2. Non, 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 je préfère rester ici. Bon, allez donc vous reposer, vous la retrouverez à Nice. On peut s'en passer des choses d'ici Nice, monsieur. Soyez pas contrariant, maintenant vous avez une place. Vous avez... Non, non, excusez-moi, je suis superstitieux. Mes chiffres de chance, c'est le 7 et le 32. Alors j'y suis, j'y reste. Ah bon? Si vous préférez voyager debout. C'est beau, la bourre. À mon avis, il n'a aucune chance. Hein. Ah, c'est un coriace, ça peut marcher. Oh, mon pari? Quoi? Les 1 000? Tenu, ah. Tu verras, c'est dans la poche. Thank you.
Alors là, non. Trop, c'est trop. Merci, mon Dieu. Sortez. Vous dormez la fenêtre ouverte. Sortez ou j'appelle le contrôleur. Il faut que vous me laissiez dormir ici, par terre. Si vous tenez à dormir par terre, faites-le dans le couloir. Je vous supplie de me croire, il y a un tueur dans ce train. N'essayez pas de me faire avaler ça. Allez, oust, dehors. Non, non, n'y allez pas, ne me laissez pas seul, venez. Je mets le verrou, hein, je crois que ça vaut mieux. Pourquoi veut-on vous tuer? Mais c'est... C'est pas... Oh, c'est pas facile à expliquer. Si on remettait ça plus tard, j'en peux plus. Depuis le départ, vous me tournez autour. J'ai d'abord cru que... Ah, mais... Non, non, c'est pas pour ça. Marquis, vous êtes ravissante, hein. Bon, dites-moi au moins l'essentiel. Et tâchez que ça se tienne ou je vous renvoie dans le couloir. Ben ça, moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Mais il faut pas qu'on se quitte. Jusqu'à ce que le danger soit écarté. Pourquoi pensez-vous que je puisse vous aider? Parce que je suis journaliste. Vous êtes journaliste? Oui, à Nice Matin. Vous ne saviez pas? Oh! Je veux bien prendre des risques, mais je veux savoir pourquoi. Comment vous appelez? Sophie. Sophie. Oui, c'est Didier. Alors, bonne nuit, Sophie. Hé, hey, monsieur! Oh! Didier! Le magnétophone. Enregistré sur la bande. Faut prévenir le chef. Ça, votre truc, c'est le renseignement. Pardon? Parlez en dormant. Vous devriez faire attention, ça pourrait vous jouer des tours. Qu'est-ce que c'est que cet enregistrement sur bande magnétique? Cette histoire de clinique? J'ai parlé de ça? Sans donner beaucoup de détails. Ah, bah, tant mieux. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Eh bien, contacter quelqu'un pour dissiper un malentendu. Et ce sera long? J'espère que non. En attendant, il serait prudent de vous cacher, mais vous ne savez pas où. C'est bien ça. Oui. Enfin, près de vous, ce serait l'idéal. Chez moi, c'est tout petit. Ben, on se serrera. Ok. Mais une condition. Que vous m'en racontiez assez sur votre boulot pour que je puisse faire un papier intéressant. Ah oui, comment j'ai sauvé la vie d'un agent secret, hein? Quelque chose dans ce genre-là. Par Sophie Gérard, en gros et encadré. Eh bien, d'accord. Puis au besoin, j'inventerai. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Non, 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 ça, je vous accompagne. Ah ben, si vous tenez à vous faire descendre, faites-le au moins que j'aurai écrit mon article. Oh non, mais ils n'ont de moi qu'un signalement assez imprécis. La seule chose dont ils sont sûrs, c'est que je suis homosexuel. Et c'est pour ça que vous cherchez à vous afficher avec une femme? Voilà. Voyez, notre alliance ne peut être que professionnelle et provisoire. Pardon. Je l'avais dit, non? Merci. Quel est numéro 1 en arrière, s'il vous plaît? On va descendre à contre-voie. Vous croyez que... Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Ah, bravo. Suivez-moi et ne prenez plus d'initiative. Attendez-moi! Sophie! Je l'ai, mais je vous donne ma parole, je la fais, moi, mon billet. Oh, bah non, puis tenez, allez, allez, cherchez-le vous-même.
qu'est-ce que vous vouliez faire, hein, salopard? Rendre ça, madame. Prends mon briquet. Merci beaucoup, monsieur. Vous l'aviez oublié tout à l'heure au wagon-restaurant. Oh, monsieur, vous êtes trop aimable, excusez-moi. Il n'y a pas de quoi. Voilà, et ben au revoir, monsieur, content de vous avoir connu. Faudrait s'entendre, c'est vous ou moi qui êtes visé. Et maintenant qu'on nous a vus ensemble. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre veston? Je l'ai donné à un pauvre. Ah bon. Montez. Marche. Arrête, arrête. Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle s'imagine? Mais qu'est-ce qu'elle se croit? Mais elle est folle, cette fille-là. Il venait me rendre ma veste. Oh. Oh. Oh là là. Bah, il en a des relations, celui-là. Je peux utiliser le téléphone? Vous croyez que c'est prudent? Oh, c'est un métier où il faut prendre des risques. Décidément, vous n'avez rien d'un James Bond. Déçu? Rassuré, je préfère les anti-héros. L'instinct maternel, sans doute. Allô, Samuel? C'est Didier. Je suis à Nice. Ben, j'ai été appelé hier soir en consultation. C'est un de nos malades qui a fait une rechute. Tu rentres quand? Pourquoi tu ne l'appelles pas toi-même? Lydia a déjà téléphoné 3 fois. C'est vrai que t'as filé sans lui dire au revoir. Elle est folle de rage, méfie-toi, c'est une vraie lionne. Écoute, débrouille-toi pour la calmer. T'as pas de problème à la clinique. Bon, alors dis-moi, il faut absolument que je joigne Canelo. Ça, c'est vital. Oui, bon, d'accord, compte sur moi, mais ça m'étonnerait qu'il appelle. Hein. Samuel, c'est très, très, très important. Alors, préviens X-22 que Z-23 a appelé Y-12 pour acheminer le colis à W-44, avec l'accord de MP-00, bien sûr. Hein? T'as bien compris? Bon, moi, je continue ma mission. Goodbye, Charlie. Alors, du nouveau? Non, hélas. Allez prendre un bon bain, ça vous détendra. C'est la raison. On vous trouvera un rasoir sur la tablette du lavabo. Tu crois qu'il sait où Canelo se planque? Bien sûr. Un tout bip, ça suit ses malades, surtout après une opération pareille. Vous pouvez entrer. Ah! Vous venez de la part de Monsieur Canelo? Je suppose que vous voulez récupérer ça? Ah oui, oui, en effet. C'est vous qui l'avez opéré, docteur? Non, c'est le docteur Dancourt qui l'a opéré. Actuellement, il est absent de Paris, mais justement, je crois que vous pouvez lui être très utile. Un renseignement urgent et confidentiel. Il vous expliquera lui-même. Tenez, vous pourrez le joindre à cette adresse. Didier! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je fais un saut au journal. Il y a à manger dans le frigidaire. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Ciao! Non, non, Sophie! Sophie, restez ici! Sophie! Sophie, attendez-moi! Sophie! Ne partez pas! Sophie! 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 Nice matin, s'il vous plaît. Nice matin, journal. Hein? Oui. Tout de suite, merci.
accélérer, vous allez la perdre. Ça vaudrait peut-être mieux. Parce que pour courir après une femme dans cette tenue, ou vous êtes mordu, ou vous êtes cocu. À moins que vous soyez les deux. Et dans ce cas-là, vous aurez mieux fait de prendre le temps de vous habiller. Histoire de réfléchir. Et on ne réfléchit jamais assez avec les femmes. Oh, fermez-la et foncez. Quoi? Vous me faites peur. Vous avez une tête de crime passionnel. Ça va pas, non? Tant pis pour vous. Elle aurait payé la course, elle. À partir de cet après-midi. Ce matin, seulement les invitations et la presse. Oh, Rosemonde, pardonnez ma tenue, mais je m'en serais voulu de vous faire attendre. Venez, au trop. Mais je ne vous connais pas. Et de plus, je m'appelle Melinda. Ah, bah c'est ça que je vous trouvais changé. Pas mal, mon Fayamine. Oui, mais j'aime bien. Où se croit-il, celui-là? Non, c'est sûrement un Anglais. Il n'y a que pour se baigner cette saison. Oh, oui. Les formes et les couleurs ne peuvent naître que de la luminosité du noir intégral. C'est de l'onirisme à l'état pur. Oui. Vous le connaissez? Oui, je crois que c'est Zuba, l'auteur de la trajectoire impossible. Ah, vous voici enfin, cher maître. Incognito, je ne fais que passer. Small world, isn't? Pardon? Je dis, le monde est petit, non? Oui, en effet, on dirait que tout notre compartiment s'est donné rendez-vous ici. Rien d'étonnant, cher ami. Ce vernissage ouvre la grande saison hivernale. C'est très original, ce que vous avez là. Vous ne mettez rien en dessous? Excusez-moi. Les œuvres qui sont exposées dans votre galerie, c'est vous-même qui les sélectionnez? Oui, en prenant le risque de me tromper, certes. Et qu'en pense la critique? Que l'erreur est humaine. Lâchez-le! Lâchez-le! C'est pas grave! Ça va, Gérard?
Oh, mon bras. Mais il est dingue, ce mec. Je suis désolé, là, vous souffrez. Non, pensez donc, je fais semblant. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Et d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Ah bon? Ah, vous vous connaissez, si je comprends bien. Gérard, c'est horreur. Vive. Non, non, c'est pas la peine, je vais l'examiner. Non. Non, non, non. Vous pouvez faire ça? Non, je sais pas. Oui, il n'y a pas de fracture. Peut-être un gros hématome ou une distorsion de ligament, mais c'est pas sérieux. C'est pas... Vous êtes docteur, vous? Oui, je suis. Non, 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 pas du tout. J'ai été brancardier à Lourdes. Merde, j'ai oublié mon zoom à l'intérieur. Si on me l'a fauché, ça sera complet, ça. Je croyais que vous ne deviez pas sortir. Et je vous retrouve ici, en peignoir de bain. Je me demande si vous n'êtes pas plutôt échappé d'un asile psychiatrique. Mais j'ai cru que c'était lui qui avait renversé le projecteur. Et puis il y a la similitude de voiture. Ça recommence, à la gare déjà. Pourquoi voudrait-on me tuer, moi? Ils peuvent très bien s'imaginer que je vous ai fait des confidences, que vous êtes au courant de ma mission. Et me voyant brûler, j'aurais pu vous demander de l'achever à ma place. Ça se tient, non? Charmant. En somme, désormais, je suis visée moi aussi. Mais oui, vous venez d'en avoir la preuve. Il faut donc plus qu'on se quitte d'un pas. C'est compris? Tant mieux. Pour faire un bon reportage, il faut être au cœur de l'action. Et changer de tenue. Ah, je suis prêt. Bien. Ah, oh bah zut, j'ai perdu un bouton. Il faudrait aussi que j'achète quelques petites choses. On aura le temps? Oui, à condition que vous ne mettiez pas 2 heures pour choisir une chemise. Tenez, prenez ça. Pourquoi faire? Puisque vous tenez à m'accompagner, que vous avez estropié mon photographe, rendez-vous utile. Oui, vous me direz où il faut appuyer. Vous avez tout de même déjà fait des photos. Quand j'étais petit. C'est pas si loin. Allez, venez. Mais dépêchez-vous. Je vais être en retard chez Leonardos. Qui est-ce, Leonardos? Vous devriez sortir davantage, vous tenir au courant. C'est un grec milliardaire. Ah, j'en connais déjà deux. C'est le troisième. Il se repose dans sa propriété du Cap d'Antibes. Forcément, les milliards, c'est un souci de tous les instants. Photos, interviews, tout le bazar. On m'a réservé une double page. Alors là-bas, tâchez de faire vrai. Ne vous trompez pas de personnage, je tiens à mon job. Je vais essayer de me dépasser. Merci. Bonjour, j'ai rendez-vous. Et lui? C'est mon photographe. On vous attendait, je vais vous ouvrir. Elle vient d'arriver. Si vous voulez bien me suivre. Dites-moi, votre grec, il serait pas un peu... Il ne serait pas dépaysé. Car je suis en France. Par courtoisie, je m'exprime toujours en français, madame. Je n'accorde jamais d'interview, vous le savez. La presse a écrit tant d'horreurs sur mon compte, mais pour vous, je vais faire une exception. Je suis persuadé que je n'aurai pas à le regretter. Vous savez, moi, je ne compte pas, c'est madame le maître d'œuvre. Moi, je suis seulement le petit oiseau, là. Coucou. Ah. Madame, je suis à votre disposition. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Veuillez vous prendre une tasse de thé. Non, merci. Laissez. Non, ça, c'est impossible, alors, vous savez. Non, non, c'est très facile. Vous voyez, j'ai déjà réussi. Hein. Puisqu'on dit que c'est impossible, tu ne te crois tout de même pas plus malin que M. Andros Leonardos? Oh, sûrement pas. Ça se saurait à ma banque.
En tout cas, écoutez, si vous y parvenez, je vous invite. Vous pourrez rester pour le week-end, ça. Je jure de répondre à toutes les questions, de permettre toutes les photos, puis de montrer toutes mes collections privées. Non, non, puisque c'est impossible. Et c'est tout de même. Allez, Coco, puisqu'on te le demande. Concentre-toi. Si vous le loupez, je vous fais déporter en Sibérie. Vous me laisserez quand même le temps de prendre un lainage. Vous permettez? S'il y a un secret, je veux le connaître. J'ai jamais pu aller plus loin. C'est prodigieux, il va y arriver. Ça ne m'étonnerait pas, c'est un tenace. Il y est arrivé, c'est extraordinaire. J'ai compris, mais pourrais-je le refaire? Vous avez une finesse dans les doigts, une légèreté de toucher, une précision dans le geste. C'est le métier qui veut ça. Maintenant, je prendrai volontiers une tasse de thé. Nous avons tout le week-end, n'est-ce pas? Croyez bien que je m'en réjouis. Monsieur Leonardo, combien de langues parlez-vous? Eh bien, d'abord, ma langue maternelle, qui est l'anglais. Et puis, enfin, à l'école, j'ai tout de même appris un peu aussi l'anglais. Ma deuxième. Oh, dites-moi, j'ai l'impression que vous perdez quelque chose. Hey. Hein? Si vous le faites exprès, n'hésitez pas à me le dire. Oh, pardon. C'est un petit ennui. Ça vous gêne pas qu'on recommence, non? Mais bien entendu, mais très, très volontiers. Vous n'êtes pas blessé? Je vais chercher mon médecin particulier. Seigneur! Seigneur! Non, non, ça va, ça va. Je ne voudrais pas déranger. J'espère que vous n'avez pas bousillé l'appareil. Non, 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 non. Merci, je l'ai tenu au-dessus de ma tête en tombant. J'avais vu faire ça à une femme dans un film avec un bébé. C'était très émouvant. Oui, mais ne nous attendrissons pas. Oui. Enchaînons, la vie continue. Et... Oh, mon Dieu, mais enlevez-lui ça. Vous permettez. Ça va? J'ai pas très bien vu. Vous pourriez le refaire. Ne me rendez pas. J'avais frappé, je vous le jure. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un demande à vous voir. C'est au sujet de votre collection de tabatières. Il dit qu'il possède un spécimen très rare. Comment est-il? Oh, très bien, très comme il faut. Ah, fais-le entrer, fais-le entrer. Ça va? Oui. Nous continuerons tout à l'heure. Ah, c'est ça, on essaiera de faire mieux. Ah, décidément, vous allez croire que je vous suis partout. Vous n'auriez pas un endroit où nous pourrions développer ce que nous avons déjà fait? Mais écoutez, mes petits neveux sont passionnés de photos. Horace, voulez-vous le montrer, le labo? On me dit que vous possédez une pièce rare. Oui, j'ai usé de ce stratagème pour venir jusqu'à vous. Mais je crois que nous avons un ami commun à Rome. À Rome, à Rome, oui, à Rome. Mais bien sûr, mais bien sûr... Ah.
C'est tout de même bizarre. Il était dans le train, à la galerie, et maintenant il se ramène ici. Bah, ça prouve quoi? Qu'il aime passer l'hiver au soleil, qu'il aime la peinture moderne et tabatières anciennes. Puis il a pas une tête de tueur. Est-ce que vous croyez qu'ils ont une tête spéciale? Ah, celle-là, elle est... Enfin, c'est pas vrai, vous l'avez fait exprès. J'avais réglé les diaphs. Il n'y avait qu'à cadrer et appuyer. Eh ben, en tombant, j'ai dû fausser le viseur, ce qui explique le léger défaut de parallaxe. Léger? Si vous êtes aussi doué dans votre boulot, ça ne m'étonne pas qu'on veuille vous flinguer. Ça n'est pas un photographe qui vous faut, c'est un cascadeur. Pas de reportage. C'est le parcours du combattant. Je connais mes limites, moi. C'est le genre souvenir de vacances, avec un vieux 6-9 à soufflet. Et sans faire les pieds au mur. Je ne suis qu'un pauvre homme épris de simplicité. Alors, il ne fallait pas esquinter mon équipier habituel et déglaguer son appareil. Il ne fallait pas vous jeter dans mes jupes vertes de trouille en me racontant des histoires à dormir debout. Vous commencez à me coller au sommeil, mon petit vieux. Eh bien, dès que j'aurai pris contact avec une certaine personne et ceci dans votre intérêt, je rentre à Paris, je vous fous la paix. Rapidement, ça me comblera. Ben, moi aussi, parce que j'ai pas que ça à faire. Et j'ai été élevé à la campagne par une brave et sainte femme qui m'adorait et que j'adorais. Tu as bien changé depuis? Aujourd'hui, la plupart des femmes, surtout si elles sont jolies, sont proprement invivables. Vous le pensez vraiment? Oh, ça de plus en plus. Aimeriez-vous que je vous montre ma collection de tabatières anciennes? Oh, avec joie, ça doit être un ravissement. Si vous désirez vous joindre à nous... Non, 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 merci. Je préfère vous laisser entre hommes. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu là, moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Eh, mais où il va comme ça? Se coucher, bien sûr. Non, venez, venez. Ne soyez pas nerveux. Venez, venez. Ah oui, ah oui. Hein? Celle-ci est dite queue de pie, en queue de pie, écaille et ivoire. Oh, très intéressant. Fin 18e. Ah oui. Elle vient d'Italie. Ah oui. Comment expliquer que les femmes ne nous aient pas laissé de tels chefs-d'œuvre? Le beau ne serait-il qu'une affaire d'homme? Bah, écoutez, on parlera tout ça demain. Hein? Bonsoir. Excusez-moi. Il est vraiment déconcertant, ce garçon. Sur le lit. J'ai cru que... Oh, ce que j'ai eu peur. Calmez-vous, ça va. C'est raté, mon pote. Alors maintenant, réveillez-vous, on va aller téléphoner à Canelo. Mais je ne connais pas ce monsieur. Ah, et ben ça va vous revenir. Non, mais arrêtez de m'agresser. Je suis monsieur Bertrand de Manoguerre, antiquaire à Lyon. J'ai des relations, vous savez. Avec un commissaire divisionnaire, sans doute. Non, je ne m'attendais pas à un tel accueil, je me suis trompé de chambre, ça peut arriver, non? Pardon. Ça arrive qu'on se trompe, non? Ça peut arriver. Ça arrive.
Maintenant, vous vous barricadez ou moi, je dors ici. Alors, à vous de choisir. Je demande à réfléchir. En attendant, fermez la fenêtre et verrouillez la porte. Bonsoir. Bonne nuit. Déjà levé. Faites un splendide. J'ai envie d'aller faire un tour en mer. Oh, rien de plus facile. Horace, allez prévenir les matelots. Bien, monsieur. Voilà, je vous en prie. Merci. Par ici, mademoiselle. Bonjour. Vous n'avez pas vu ma patronne ? Parti en mer. En mer par ce temps-là ? Avec qui ? Avec l'un de mes matelots. Et vous êtes tout à fait sûr de lui? Je suis de moins en moins sûr de qui que ce soit. Fantastique, la voile. Vous voulez pas m'apprendre un peu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous sentez pas bien? Vous avez le mal de mer? Oh! Tenez bon, j'arrive! J'arrive! Il était dans le train, puis à la galerie de peinture. Dans l'état où il est, il ne peut pas nous faire bien mal. Allez, venez. Ça va?
Alors, vous croyez toujours que je vous ai raconté des histoires à dormir debout? Ça m'aurait étonné aussi qu'un matelot voyage en sleeping et fréquente les vernissages. Allez, venez. Moi, ce qui m'étonne, c'est depuis que nous sommes associés, je semble bénéficier par rapport à vous d'une priorité dans l'esprit de ces messieurs. Comment expliquez-vous cela? Oh, mais moi, je ne suis qu'un rouage. Ils doivent vous prendre pour Tante Lucie. Elle est importante? Tante Lucie, c'est la clé de voûte de tout l'édifice. C'est flatteur. Il ne me reste qu'à mourir avec le sourire. Ah ben... Non, je connais une petite auberge dans l'arrière-pays. À cette époque, nous serons probablement seuls. Je crois que c'est le refuge idéal. Vous croyez que Tante Lucie accepterait ce genre de proposition? Ah non, c'est elle qui me la ferait. Si vous la voyez, j'en ai froid dans le dos. Comment trouvez-vous ce petit rosé? Dangereux. Alors vivons dangereusement. Avec vous de ce côté-là, je suis comblée. Donc s'il devait vous arriver quelque chose par ma faute, je ne le pardonnerai jamais. Il fallait y penser avant de monter dans mon compartiment. Dans toute cette aventure, Sophie, je n'ai pensé qu'à vous. Et même, j'y pense de plus en plus. D'après les papiers que vous avez retrouvés à bord, il s'agirait bien de Didier Dancourt, le chirurgien. Comment expliquez-vous ça? Le coup de foudre pour votre petite copine. Pour faire tout ce qu'il a fait, je vois pas d'autre explication. Alors la fille que ça amuse au début, puis une fois en mer, la dispute, le crime passionnel... Le résultat est le même. Oh, c'est un fou, un paranoïaque. C'est lui qui m'a fait ça. Il cavalait après Sophie à moitié à poil. C'est un dingue, je vous dis. Vous croyez qu'on trouvera les corps? Ça, avec les courants. Evelyne! Lydia, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, regarde. Oh, mon Dieu! Tu te rends compte? C'était ça, son malade en province. Le pourri. Mais Lydia, il est mort. C'est pas une excuse! Quelle tristesse. Vous me prenez pour une imbécile? Bravo, monsieur le rédacteur en chef. Elles sont belles, vos collaboratrices. Je vous préviens que vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Ça ne se passera pas comme ça! Des liaisons extra-conjugales, on organise des amours un peu bizarres, on embarque pour Cythère. Vous savez ce que vous êtes? Je vais vous le dire, moi! Un porc et un assassin! C'est une folle. C'est une folle. Ah, vous écrivez, hein? Vous croyez que ça va... Comme ça, je vais prendre pour une idiote! Non, mais... Et vous lâchez-moi, je vous dis, hein? Me touchez pas! Espèce de fonctionnaire minable, taré, vendu! Vous n'êtes bon qu'à foutre des contraventions pour excès de vitesse. Pour l'instant-là, on peut tous crever. Lâchez-moi! Bande d'impuissants! Là, il y a un jure, chef. On la boucle? Non, non. Laissez-nous, laissez-nous. Hein. Je vous prie de m'excuser. Je suis à bout de nerfs. Alors, ça va mieux? Une cigarette? Non, merci. Allez, venez. On va parler de tout ça tous les deux, mais tranquillement, hein. Un petit alcool vous fera du bien. Venez. C'est affreux.
Je devais épouser le docteur Dancourt dans un mois. Je voudrais maintenant qu'il ait au moins une sépulture décente. Oh, la mer est vaste et profonde. Il était assuré? Oui. Une assez grosse somme à mon profit. Ouais, sans le corps, évidemment. Ils sont méfiants dans les assurances. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je l'aimais, monsieur le commissaire. Je l'aimais. Mais bien sûr. Bon, nous allons continuer les recherches et je vous tiendrai au courant. Essayez de dormir et de dominer votre douleur, mademoiselle. Et vos nerfs. Mademoiselle. Malgré moi, entendu votre conversation, vous aimeriez retrouver le corps de votre fiancé? Pourquoi? Vous pouvez m'aider? C'est pas impossible. Ça se monte à combien, cette assurance? Dites donc, je vous trouve bien indiscret, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Après tout, 100 millions. Et si je vous le retrouvais, enfin, noyé, bien entendu, à quel niveau feriez-vous un effort? Monsieur, vous êtes sordide. Bah, dites tout de même un chiffre. 10%. Disons 20. Vous n'êtes qu'un charognard, j'ai horreur de ce genre de discussion. Enfin, quoi qu'il arrive, je suis à l'hôtel Méridien. Beau petit lot. Un peu qu'on sache la consoler, c'est pas impossible qu'il y ait des super bénéfices. Pas impossible. Bonjour, bien dormi? Très bien, merci. Je peux, hein? Vous venez vérifier si les croissants ne sont pas empoisonnés? Qu'il n'y a pas une bombe dans la théière? Ah, j'ai vérifié avant qu'on ne vous la porte. Vous êtes un père pour moi. Eh bien, ce soir, papa, il va venir dormir ici. Ça nous fera l'économie d'une chambre. Mettez un frein à votre imagination. Essayez de résoudre rapidement votre problème. Je vais finir par être viré du journal. Je vous trouverai une meilleure place. Beurrez vos tartines, décodez les messages secrets, et on ferait tout ça au lit, bien entendu, un revolver sous l'oreiller. Ouais, avouez que ce serait exaltant. Impossible, camarade. Je suis une non-violente. Je ne me vois pas dire un soir aux enfants, papa ne rentrera pas. Il est mort héroïquement étouffé en avalant un microfilm. Où allez-vous? Je vais téléphoner au journal. Mon rédacteur en chef est un grand nerveux. Non, Sophie, faut pas... Je vous descends. Bonjour, je peux téléphoner? Allez-y, ma petite. Faites comme chez vous. Merci. La fiancée de Didier Dancourt est arrivée à Nice. Les corps du chirurgien et de notre collaboratrice n'ont toujours pas été retrouvés. Selon Lydia Valentin, qui devait l'épouser prochainement, Didier Dancourt l'adorait, mais il ne pouvait s'empêcher de courtiser les autres femmes uniquement par jeu, dans le désir de plaire. Eh ben, petite, vous allez à la chasse et dans cette tenue, vous aurez du succès. C'est à cause de ça? Vous savez, nous, on se mêle jamais des histoires des autres. Mais pour des morts, vous vous portez plutôt bien. Vous voulez bien me rendre service? Je viens déjà de vous en rendre un. Vous cachez les journaux et vous ne dites rien. Entre femmes, on ne peut pas s'escagasser. Ces messieurs s'en chargent assez. Merci. Pas, la ligne te dérange-vous? J'ai eu peur qu'il me demande de rentrer. Nous soyons obligés de partir. Je me suis rendu compte tout d'un coup que je n'en avais pas du tout envie.
café. On m'en fout. Les couvertures. Je m'en fous. Buvez d'abord. Et ensuite? Buvez. Parlez-moi de votre métier. Au fond, je sais presque rien de vous. Au point où nous en sommes, vous ne croyez pas que ça peut attendre encore un peu? Vous ne voudriez pas que je m'abandonne dans les bras d'un inconnu? Je ne suis pas une nymphomane. Bah, je sais pas ce que j'ai. Oh, pardon. Je vais pourtant dormir 10 heures. T'es un tombeur, hein, mon petit Didier? Sophie, le café t'est drogué. On a osé faire ça, mon petit Didier? Le tueur, attention. Danger, Sophie. Tu dors bien, mon amour joli. Tu fais pas semblant, hein? Sophie, c'est toi? Mais bien sûr, c'est moi. Vous pouvez toucher. Oh là là! Et puis encore quoi? T'as dit qu'on pouvait toucher! Gérard! Hein? Gérard! Sophie est là. Oh, arrête de déconner, c'est pas drôle. Mais je te dis qu'elle est là! Quoi? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, j'ai pu regagner la rive à la nage. Des braves gens m'ont recueilli, réconforté, et me voilà. Et lui? Lui? Oh, le pauvre, j'ai bien peur que... Hélas... Je vois, elle est là. Mais c'est vrai? Ah, te voilà. Justement, je voulais te voir. Elle ressuscite et sa première pensée pour moi. Oh, Sophie. Ouais, vous l'avez dit, je savais bien que c'était pas noyé. Ah, ce papier, ouais. Mes enfants, c'est le scoop! Allez. Comment va ton bras? Comme ça. Il m'a pas raté, le salaud. Hein. Pardon. T'excuses pas, c'est un salaud. Il va très bien. Il n'est pas mort? Non, mais surtout, tu le dis à personne. Oh, bah, si tu me le demandes, tu sais bien. T'as toujours des relations dans le Vieux-Nis? Quelques-unes, oui. Alors, trouve-moi 2 costauds, des durs, des tatoués, et tu me les envoies chez moi, vu? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Des redresseurs de tort. Allez. C'est pas pauvre. Vous pourrez même lui en dire 3. Attendez, je reviens. Ce salopard mérite une bonne leçon. Je voudrais qu'on lui foute une de ces trouilles dont il se souvienne longtemps. Vous voulez bien faire ça pour moi? Avec plaisir, madame. C'est pas très clair. Ce qui est clair, c'est qu'elle va nous mener au toubib. Alors boucle-la. Et tout dans le sourire. Venez, je vous expliquerai dans la voiture. Ça s'appelle manquer au lecteur, ça, hein? Nous, on n'aime pas beaucoup ce genre de salade. Faut pas nous prendre pour des amateurs. Dis donc, qu'est-ce que tu maquilles, toi? Hein? Tu nous dis de corriger le monsieur qui a été mal avec la dame? On se dérange personne. Faut pas nous faire sapter.
Hein? Excusez-moi, j'ai deux mots à dire à ce monsieur. Ouais. Et ne recommence plus ça à petit, hein? Alors? Ils sont vivants, nos deux petits tourtereaux? Hein? Où sont-ils? Je sais pas. Où sont-ils ou je vous recasse le bras? Hein? J'ai peut-être un peu forcé la dose. Profitons-en pour fignoler. Comme ça, il comprendra que vous n'êtes pas des tendres. Que s'il ne vous révèle pas ce que vous voulez savoir, où se cache son contact, vous le torturez d'abord et vous le tuez ensuite. On n'aurait pas trouvé mieux. Faut lui trouver un nom à ce type, ce fameux contact. Canelo, ça vous irait? Faudra que ça aille. Et maintenant, on fait comme si on était pressé. Ne lui fais tout de même pas attraper la crève. Mais qui sont ces messieurs, Sophie? C'est eux qui vous ont mise dans cet état? Et qui ont drogué votre café. Ils ont essayé de me faire parler, mais je n'ai rien dit. Oui, Canelo? Ah, ben ça, justement, j'aimerais bien le savoir. Pas d'héroïsme inutile, mon chéri, je ne veux pas vous perdre. C'est là! Alors, ça te revient? Ils vont pas me flinguer mon noyer, ces enfoirés. Mais je vous dis que je ne sais rien. Ah non, là, vous exagérez. Le secouer d'accord, la mocher, non. Oh, puis laissez-la. Je sais pas ce que Gérard vous a dit, mais vous êtes vraiment trop con. Gérard connaît pas. Hein? Mais lui, Canelo, il connaît. C'est vrai, ça? Oui, Sophie, oui. Noyau, c'est pas simple. Il va finir par vous arriver des bricoles, là, tous les deux. Non. Je suis minuté. Dommage. Je compte jusqu'à 3. Viens, on va faire trempette. Depuis le début, nous nageons en plein malentendu. Allez, avance. Non, laissez-moi vous expliquer. Avance. Oh, bah quoi, ça vous reprend? Alors c'était bien la peine de me sauver la vie. Ta gueule. Quel mot. Allez, avance. Allez, monte. Monte. Ah! Tu la connaissais pas, celle-là? Allez, maintenant, on va appeler Canelo, direction téléphone. Allez. Mais je comprends rien à cette salade. Non. L'important, c'est qu'il soit vivant. Allez, mettez une bouteille de shampoing frais. J'arrive. Je vous avais dit de me le passer. Il vient. Vous avez pu vous échapper? Comment avez-vous fait? J'ai pensé à vous. Je suis devenu invulnérable. Et bien entendu, vous allez profiter de la situation pour m'embrasser. C'est absolument indispensable. Bravo, joli couple. Surtout, ne vous dérangez pas pour moi. Je passais. Bah, passez vite. Lydia. Ça alors? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quand même par le hasard. J'ai un service de renseignement qui fonctionne très bien. Vous lui avez donné des leçons? Bien que je te présente. C'est inutile, je connais déjà mademoiselle. Bon. Ben, si on allait s'asseoir quelque part, hein? Parce que c'est une longue histoire. Ah, je fais confiance à ton imagination. Tu me raconteras ça le soir à la veillée, quand nous serons mariés. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous devons nous marier. En effet, j'ai appris ce détail. Oh, puis je vous conseille de ne pas me parler sur ce ton. Et de ne pas m'énerver, s'il vous plaît. Écoute, Lydia, si je suis ici, c'est que j'ai dû te protéger d'un tueur. Oh, tu n'as pas trouvé autre chose?
J'avais tort de faire confiance à ton imagination. C'est pas très brillant, tu sais. Mais c'est la vérité. Dites-lui que c'est la vérité. Oui, oui, c'est vrai. Évidemment, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Comme point de repère, le tueur avait le numéro de ton compartiment. Seulement Sophie, enfin mademoiselle, a pris le train à ta place, alors... Alors, par amour pour moi, tu as fait un transfert d'affection sur elle. Voilà. À travers moi, il n'a jamais cessé de penser à moi. J'espère au moins que ça n'a pas été trop désagréable. Pour toi non plus, mon chéri. Oh, ben ça dépend des moments, tu sais. Oh, on n'a pas rigolé tout le temps, hein. Ça, avec les... Bon, si on allait prendre un verre, hein. Non, non. Maintenant que j'ai fini d'assurer l'intérim, je craindrais d'être en surnombre. Excusez-moi, je suis de ces pauvres femmes qui travaillent. On m'attend au journal. Bon Dieu, Sophie, mettez-y du vôtre. On va pas séparer comme ça. Ben voyons, c'est vrai, ça. J'ai pas encore eu le temps de vous remercier. C'est si peu de choses. Je voulais emprunter, je vous le rends. Bonsoir. Tu n'as pas l'air de te rendre compte qu'elle a risqué sa vie pour toi. C'est pas grave, mon chéri. On lui fera un joli cadeau. Il y a toujours des choses en double dans les listes de mariage. Allez, viens. Où ça? Viens, je te dis, ça suffit maintenant. Alors la récréation est terminée maintenant, hein? Tu sembles oublier que tu es chirurgien, que tu as une clinique et des malades qui comptent sur toi. Samuel est très compétent, ils peuvent se passer de moi quelques jours. Eh bien, c'est ce qu'ils feront, mon chéri, pendant notre voyage de noces. Allez, monte! Monte! Excuse-moi, Lydia. Didier! Sophie, il faut qu'on se revoie. Il faut que je vous parle. Didier! Tu viens, oui ou non? Invitez-moi à la noce, je vous ferai le grand écart au dessert. Sophie. Non. Ben, qu'est-ce qu'il y a, Didier? Tu m'as l'air tout secoué. Si tu attaches tellement d'importance à cette fille, j'aimerais autant savoir. Eh bien, oui, là, j'en attache. À ce point-là? Oui. Comme ça, en 3 jours. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça. Écoute, mon chéri, c'est certainement idiot. Allez, viens. Monte. Monte. Je t'en supplie, Didier, ne fais pas cette tête-là, ça te passera, j'en suis sûre. Allez, viens. Rentre. Rentre seul, ça vaut mieux. Moi, j'ai besoin de réfléchir, d'y voir clair. C'est tout réfléchi, Didier! J'occupe un certain rang dans la société! On a annoncé notre mariage à tout le monde! Si tu crois que je vais me laisser ridiculiser par cette fille dont tu crois être amourachée, tout ça parce que vous avez joué au cobaye ensemble, faut pas me prendre pour une idiote! Salut, Franck. Ben, bravo, fils, on peut dire que t'es doué, toi, hein? Allez, va m'attendre au bar. Hein? Excuse-moi, Lydia, je te téléphonerai. Didier! Didier, je te garantis que si tu me fais ça, je donne pas cher de ta carrière. Alors, on se chamaille par un beau temps pareil. Bonjour, Toubib. Mademoiselle. Ah, vous tombez bien, vous. Vous m'avez mis dans un beau pétrin. Allez, oublions le passé. Le champagne est au frais. Manquez plus que vous ici. Si vous croyez que je suis d'humeur à boire champagne, et surtout avec n'importe qui... Soyez pas nerveuse. Faites-moi confiance. Tout va s'arranger. Si j'ai bien compris, il y a une autre nana sur la ligne. Eh ben alors, c'est pas une raison d'en faire un plat. On s'aime, on se quitte, c'est la vie. Et puis roulez comme vous êtes avec cette belle petite gueule. Vous aurez qu'à vous baisser pour en trouver un autre. Monsieur, vous êtes d'une vulgarité insoutenable. Vous êtes gentil, mon vieux, mais vous vous y prenez très mal. Il n'y a pas d'autre méthode avec les femmes. Quand elles cessent d'être accessibles à la logique élémentaire, faut cogner. Évidemment. Avec celles que vous connaissez, ça ne m'étonne pas. Avec toutes. Il n'y a pas de contre-indication. Alors, on le boit ce verre. Après tout, pourquoi pas? Pardonne-moi, Lydia, mais décidément, le cœur n'y est pas. Patron, débouché. Je vais le calmer. Salut, Toubib. Bonjour, messieurs. Vous pouvez me conduire à Nice? Avec plaisir, mais on n'a pas d'ordre. Bravo. Il était temps de refaire surface.
Vous avez déniché un joli petit lot. Emmenez-le. Ok. Et vous en faites pas pour l'autre. Hein. Je m'en charge. Vous êtes là aussi, vous? Mais décidément, c'est un vrai repère de brigands. En tous les cas, en ce qui concerne le corps de mon fiancé, c'est inutile de continuer à le rechercher. Il va très bien, je vous remercie. Vous cherchez le corps du Toubib? Ah non, vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas au courant. L'assurance sur la vie, elle est 25% pour vous. Hein? C'est intéressant, continuez. Il s'agissait de noyer le corps de mon fiancé après l'avoir tué, bien entendu. Puis le tour était joué. Un beau coup, en somme, n'est-ce pas? C'est toi qui as imaginé ça? Je voulais t'en parler, justement. Mais... Alors, je te confie un travail que t'es pas foutu de faire. Et au lieu de ça, tu improvises en solo. As-tu été imprudent, Palmieri? J'espère que cette fois-ci, on va enfin pouvoir le boire, ce champagne. Alors, comment ça s'est terminé? Il était très pressé, j'ai pas pu le rattraper. Il a disparu avec votre voiture. Avec ma voiture? Parfait, de mieux en mieux. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à nous descendre à Nice, mon fiancé et moi. Ah, mais votre fiancé, il est déjà parti, lui. Comment? On vous y ferme, mon trésor, la roue tourne. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous me croyez très fort, hein? Vous vous prenez pour un dur, pour un caïd. Vous n'êtes qu'un petit voyou et un sale type. Je vous préviens, ça va vous coûter un maximum. Un maximum! Sans blague. On a beau dire, hein, Canelo avait les femmes. C'est que... Peut-être, hein, mais avec celle-là, il n'est pas sorti de l'auberge. Allez, hein. Ça va, oui. Toujours pas de billets, hein? Pas de bagages, non. Pas de réservation. Dites-moi, ça ne vous ennuierait pas de faire ça sur une autre ligne, non? Ou alors un jour, je ne suis pas de service. Vous avez de la chance, le Nigel 52 qui est libre. Venez. Voilà. Ah, non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je viens de l'attribuer. Oh, tu attribues sans consulter. Mais enfin, qu'est-ce que je vais faire de lui? Jetez-le par la fenêtre et apportez-moi une bouteille d'eau minérale. Sophie! 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 10 000 francs pour vous, ça marche? Ça marche. Ça marche. Votre eau, madame. C'est vraiment inutile de faire le pitre. Vous avez raison, assez joué, tout ça est trop sérieux. Et ça, croyez que ça ne l'est pas? Docteur Jekyll ou Mr. Hyde, qui est Didier Dancourt, ce chirurgien mondain, coureur de filles, hypocrite et détestable, ou ce garçon sympathique, séduisant, plein de charme. Vous finirez sûrement par trouver la réponse. Au besoin, je vous y aiderai. Supporter le second pour aimer le premier, faudrait être complètement folle. Peut-être y a-t-il en vous un soupçon de schizophrénie. Vous connaissez un bon docteur? Oui. Moi aussi, j'en connais un. C'est peut-être le même?
Qu'est-ce qu'on fait? Par rapport à l'aller, il y a de gros progrès, hein.